Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le tendu du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière de avec les ténèbres. Dieu vit que cela est un bon. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela étant bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant leur semence sur la terre. Et c'est la faute ainsi. La terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Et des arbres donnant de fruits ayant leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela est un bon. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et c'est la faute ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela est un bon. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et ainsi chacun d'entre nous est devenu libre dans les décisions et les actes. Dieu nous a donné la liberté de savoir qui il est, si nous voulons chercher. Il y avait un homme normal, comme vous ou moi. Le nom n'est pas important. Il voulait vivre en paix avec ce monde créé autour de nous. Dieu connaissait qui faisait battre son cœur depuis le début. Cet homme était aussi un morceau de terre, ce qui lui permettait d'être le proche de la nature, de l'habiter. J'avais un tout petit peu de terre, 3000 mètres carrés, pas beaucoup. Donc, la première année, j'ai appelé tout le monde, 9 propriétaires. Personne ne voulait vendre, j'ai insisté, un a bien voulu vendre, et j'ai fait la cabane.
Et après, chaque année, à peu près, au moins une personne acceptait de me vendre le petit. C'était très long. Combien de temps? 5 ans. 12, 5 hectares. As-tu imaginé le cabane comme ça, ou différent? Un peu différent. J'ai les plans, là. Un peu différent. Je peux te montrer. J'ai fait les purs, comment je voulais que ça soit. Et après, j'ai pas tout fait. Voilà. Il y a la cabane, et normalement, ça devait aller sur les côtés, en plus. Là où il y a les... là où on marche, ça devait être aussi fini, fermé, plus grand. Plus joli pour la forme. Trop haut, avec que ça soit comme ça. Plus harmonieux. C'était super. Enfin, c'est la vraie vie, c'est la mort pour moi. Comment tu choisis cet endroit pour asiatique, juste comme ça? C'est les arbres, la vue, chez moi, et les arbres qui peuvent accueillir une cabane, l'exposition et les distances. C'était important qu'il y ait beaucoup de distances. Les deux plus proches, two which is the nearest, c'est la mer et l'asiatique. Mais déjà, il n'y a pas de vis-à-vis direct. Oui, parce que c'est... Maybe in the winter a little bit. Voilà. C'était un chantier que je devais faire pour la Norvège. J'avais vendu une cabane dans les arbres avec une yourte dedans. Un chantier avec des gens de l'armée. Et les filles à qui je l'ai fait fabriquer ont vécu dedans. Sans me dire. Et après, il y avait déjà des petites taches. Donc c'était plus bon. Tout de suite, quand je l'ai vu, j'ai vu l'état, je fais « Mais pourquoi ? Vous vivez dans la yourte que vous me vendez, vous vivez dedans ?» Et du coup, j'ai arrêté de payer. Et on s'est pris la tête. Ça m'a quand même coûté 5000 euros. Quelque chose qui n'était pas fini, qui n'était pas bien fait. Et j'étais comme ça. La porte, je me suis dit « Mais c'est quoi ça ? C'est quoi, c'est une porte ça ?» Fenêtre. Et après c'était trop grand. Make me very crazy this story. Because when it was finished, I said okay, I'm not gonna sell it there, okay, I'm gonna put it on my place, change my plan and put it there. Like that's gonna be something fast. Already I can rent it and rent some money. And then I asked her last time, okay, how many meters square it is, because I'm going to build something on the exactly of the good. I think it was looking like big when they built it. So okay, it's nice size, very nice size. And they say, okay, it's 20 meters square. I say, you sure it's 20 meters square? Yes. Then I built something exactly of 20 meters square with isolation, everything, the plancher, exactly. We put it around. It was for 25 meters square, so everything it was. And me, I use 5 meters square, like this. And I cut my piece of wood of this, each part, so I can really do it, easily win 5 meters more. But just because they don't know how to do a simple calcul.
and they don't give me the good things, I have to, to cut and do it by myself again the tongue. I was so crazy, can't imagine. But you say that finally you did it like this, but in fact, like for future, you want to keep it like this, or you have idea to build a... On va changer ça, on va construire une cabane dans les arbres. Presque la même chose, rond, presque rond. C'est des petits bouts de mur de 80 cm. 8 cm, like that. On peut mettre des fenêtres sur toute la partie ouest et sud. Et fermer côté les gens, ils peuvent nous regarder. Juste le poêle qui sort pour les vents dominants, ouest. Et fermer l'arrière et bien ouvrir devant 20 mètres carrés en bois, en chevron. D'arbres, ça a été abattu par 99, donc il y a beaucoup d'arbres par terre, une belle vue, un arbre à enlever et le reste est très très beau. Et quand tu arrives à la place à feu du haut, quand tu regardes vers l'Asiatique ou vers la place de méditation, il y a trois arbres, un comme ça et un comme ça. Tu les as vus? Toi tu passes dessous pour aller à l'Asiatique, la toise c'est le comme une plante qui s'ouvre comme ça. Tu en as un là et un là. C'est très très beau, t'as pas vu ça? Quand tu arrives, ça fait comme un éventail. Tu passes en dessous pour aller à l'Asiatique. Tu passes dessous. Thank you.
Quoi, je préfère en haut ou en bas? Oui. J'aime tout. Oui. La mer, le feeling est très 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 différent de l'asiatique, mm-hmm. qui sera très très différent de dans les prés. Mm-hmm. Tout, what I like is the different. Mm-hmm. D'accord. Très très différent, à droite, à gauche. Mm-hmm. Ce terrain-là, à cause de ses formes, à cause de la rivière, mm-hmm. de son angle par rapport au soleil, mm-hmm. ça offre mm-hmm. beaucoup de possibilités d'énergie différente. Ah, d'accord. Voilà, ça qui me plaît, c'est que c'est très varié ici, mm-hmm. sur 10 hectares. Mm-hmm. À la mer, oui. Sur le balcon, il n'y avait pas de. Et je regarde, mm-hmm. et là je vois le rocher, mm-hmm. très beau rocher, plus haut, mm-hmm. autour il n'y a rien, et un arbre au-dessus qui fait comme ça. Mm-hmm. Tu le vois l'arbre?
C'est comme ça, le gros chêne. Et là, j'ai vu, hop, j'ai vu ça, et j'ai vu en dessous, parallèle, ah, là, il y a ça, quelque chose de rond sous cette branche-là. Donc, tout d'abord, je suis monté, j'ai coupé le gros bout, l'arbre. Chling. Comme ça, il ne reste plus que celui-là, comme ça. D'accord. Et là, il y a une petite truc qui part. Maintenant, je n'ai plus qu'à couper ça et c'est fini. Il restera ça et la belle branche au-dessus. Okay. Et après, j'ai fait des petits dessins. Je les ai, les dessins. J'ai fait des petits dessins. Je fais, ah, ça sera ça, quelque chose comme ça, là. Et après, j'ai construit sur le granit, la plateforme. Et après, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé aux enchères... moitié prix, une très belle pergola. Au début, je pensais une plus petite, moins chère. Mais pour le même prix que la petite, j'ai trouvé une grande. Ah, j'ai fait, ah, j'achète direct. Donc, elle est très belle. C'est subtil, c'est fin, et c'est là. Donc, ce qui était important pour moi, c'était la lumière, parce que malgré tout, il y a quand même de la lumière. Le cours d'eau, le bruit du cours d'eau. Et c'est un promontoire, t'es un peu au-dessus. Oui. Tu vois, ça descend autour. C'est ton idée debout. J'ai toujours rêvé chez moi d'avoir une table de ping-pong et un boulot de rhum. That's very for me. C'est, pour moi, c'est le luxe. Fait ici me prend beaucoup de temps. Entre le moment où il n'y a rien et je vois quelque chose, la conception, alors là, je vois, je marche beaucoup. Je vois les choses, ah, il y a ça là peut-être, hop, parce que c'est comme ci, c'est comme ça, hop, il y a quelque chose là. Alors je reviens le lendemain, je bois. Oui, déjà, tu peux pas imaginer combien de tonnes au boulot de rhum, mon ami. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est... donc on a mis tous les arbres autour pour bloquer, premier blocage. Après, on a fait un deuxième blocage, on a décaissé, ramené là, gagné un peu, et après ramené. Puis ramener le bois, le machin, c'était comme ça. Maintenant, c'est... Et c'est la fin, là. Là, on est presque à la fin. Maintenant, c'est les trois marches à faire. Désherber. Là, je vais commander ce matin 4 tonnes de tout venant. Du sable, de la terre, des cailloux. Et on va finir cette année. Mettre la table de ping-pong et le boulot. Et des bancs pour les vieux. Cet endroit pour construire la plateforme d'observation de méditation. C'est un endroit parfait, avec très peu d'arbres, très peu de travail, une vue extraordinaire, et c'était chez moi encore. Juste à côté, ça s'arrêtait, mais j'avais encore jusqu'à peu près au niveau du 3-4 mètres derrière la place à thé. Mais la place à thé, c'était comme ça. Oui. D'accord. Parce que c'est comme ça, comme escalier. Mais comme on n'avait aucun endroit de niveau, le seul endroit de niveau qu'il y avait, c'était la mer, c'était la pergola des amoureux, et la plateforme de méditation n'était pas encore faite. On a dit, ok, là, c'était l'hiver, on va casser la montagne pour gagner un peu de niveau. Donc, petite, on a cassé la montagne, ce qui fait qu'on a mis des gros bouts de bois derrière, donc c'était comme ça. Ici, on a mis des gros bouts de bois pour bloquer la terre. Après, couper au milieu,
décaissé ça, pris ça, mis là, pour gagner un niveau. Mm-hmm. Voilà, ce qui fait qu'on a 10 mètres carrés de niveau là-bas, parce qu'on l'a fabriqué. Quoi. Mm-hmm. Oui, j'ai compris. On a cassé et après on a construit. Ah oui, mais c'est entre le moment où tu vois et le moment où la construction est finie, c'est très long. Déjà, les équerres dans les arbres, ça se met que en hiver. Tu peux pas le mettre en pleine montée de sel. Donc tu peux pas faire comme tu veux. Si cette année, par exemple, j'ai pas mis les équerres sur la dernière cabane, je pourrais pas y toucher avant l'hiver prochain. Donc c'était plutôt pour l'année d'après. On a pris l'école, j'ai peut-être pas l'argent, je me souviens plus. J'ai peut-être juste commandé les équerres. Et après, pendant ce temps-là, on a fait un endroit tout de suite qui était la place à thé. Et en même temps, le même hiver, j'ai fait l'ancien potager. Là, sur escalier, comme ça. Travail de fou, hein. 4 mois de travail. Conception, elle a 6 ans. Les équerres, c'est... il y a 5 ans, on les a mis. Ou 4 ans. Enfin, les équerres dans les arbres. Et après, c'est très long. Quoi. On a commencé le cadre de l'ossature et petit à petit. C'est combien c'est l'année la construction. En été, on ne fait rien. C'est le travail ici, c'est accueillir les autres, s'occuper des autres, nettoyer, faire la bouffe. On a très peu de temps en été. Donc c'est en hiver ou en automne. J'ai acheté le bois d'ossature, on a commencé à poser l'ossature, on a mis 2 ans à faire l'ossature. Après on a commencé le solivage, c'était l'hiver dernier. On a fait un petit peu, mais j'avais pas assez de bois. On a racheté du bois. Et cette année, tout a été fini avec vous. On a bossé un peu cet été, un petit peu. Donc je ne me souviens plus quand t'es arrivé, on en était quoi, à peu près à la moitié du solivage, comme ça. Je me souviens plus. Solivage. Oui. On était quoi, à la moitié quand tu es arrivé? Ou à un tiers? Yes, we finished it. When you arrived, how was it? It was like some of the plank were already there, but like all the plank were there, but not fixed. So we fix it. We but make we it like start. A nivellation. It was start. No, yes, it was start half maybe. La première. Oui. Okay, yeah, that now I see it. Okay. And après we make the nivellation, to fix everything. Optimiser. Moi j'optimise les espaces et les formes, bien sûr. Et après j'aime être ou dans la courbe. Ou dans le rond, ou faut qu'il y ait un moment donné qu'il y ait une courbe. Quoi. Voilà, ça c'est important pour moi. C'est très féminin là-bas. Partout, il n'y a que 2 endroits droits, c'est l'escalier, et encore c'est comme ça, qui amène à la pergola des amoureux, et l'escalier qui amène à la place à Fulio. 80% des chemins que j'ai fait, je les ai volés aux animaux. C'est les chemins des animaux. J'ai passé des années à regarder, à vivre avec la nature. Tout regarder. Et j'ai suivi beaucoup les animaux. Et c'est beaucoup en se baladant que la conception aussi venait. Je te dis, bois un coup, me mettais à l'aise. Et à un moment donné, je voyais le clink. Et au bout de 10 fois où je vois la même chose, ok, pour moi, c'est bon. Si je reviens et que je vois toujours la même chose, c'est que c'est ça. Voilà. Mais tant que c'est pas fixe, je reviens, je rebalade, je refais des conceptions, je viens, je fais des petits dessins, mais c'est beaucoup déjà dans ma tête. Et après, c'est important, c'est tout lier les énergies. Parce que si tu regardes du dessus, c'est une toile d'araignée. Et c'est que le début. Thank you.
what I want, they let me live there. And after here, it was my connection with Babylon. Now that I have here, it's very hard for them to take me out. This hard house, connected, and I pay things. I pay. It was hard, very hard for me to come again in the society when you lived like me so long in Zion, drinking your spring water and very simple life with the candle. All of what I want, they let me live there. J'ai rencontré cet homme. J'ai vu cet endroit et je l'ai dit. Cet endroit a été créé avec amour. Peut-être que vous vous sentez vide parfois. Vous ne savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche. Vous ne savez pas ça quoi croire. Je voulais juste m'échapper du Babylone de nos jours. Un peu comme cet homme l'a fait, vivre ici, dans le secret de l'innocence de la nature, dans la cabane entre les arbres, avoir le temps de penser au sens de la vie, de chercher qui est vraiment Dieu. C'est ce chemin qu'il peut vous aider à prendre dans votre vie, et c'est peut-être après toutes ces expériences que beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie.